Salut tout le monde, c'est Jolate, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Hello Neighbor. Vous savez, le jeu avec notre voisin qui est un petit peu psychopathe. Et bien aujourd'hui, on a eu le droit à une nouvelle mise à jour des développeurs. Et ça, ça fait bien plaisir. Et on va voir ça ensemble. Et déjà, premier changement que je remarque, eh bien, c'est que la manette est prise en compte. C'est plutôt cool. Alors avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas que vous avez un petit lien dans la description pour acheter vos jeux moins chers sur G2A. C'est bien cool. Et puis si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas le petit like, ça fait plaisir. Allez, c'est parti, let's go. Press A or space to unveil the story, ou press B pour aller direct dans l'action. Il est tranquille. On va déjà faire la petite histoire. Allez. Petite cinématique. Bon bah comme la dernière fois, ça change pas. La musique par contre elle a changé. Ah bah si, la cinématique aussi elle a changé du coup. Ouais. Ok, d'accord. Et mais ça c'est la maison de notre voisin direct. Non? Ah ça y est, c'est à nous là. Presse E to open. Ah ouais, si, ça a changé carrément. Ok, d'accord. C'est plutôt sympatoche par ici. Ok, donc on prend le carton. J'ai l'impression qu'on joue le voisin là. Get inside, move stuff inside. Ok, allez voir à l'intérieur et bougez votre inventaire à l'intérieur. Mais c'est la maison du voisin ça. Normalement nous, on habite là il me semble. Non? Ah putain, c'est pas possible ça mon vieux, je suis déjà coincé. Petite boîte aux lettres et tout, vachement sympa. En tout cas, ça a super changé. Même notre baraque elle a changé, normalement on habite là nous. Bon bah là, on peut pas y aller. Bah écoutez, on va aller là. J'ai l'impression que c'est la baraque du voisin, ça. Mais c'est la baraque du voisin, non? Bon, écoutez, on va aller dedans, tranquillement. The key is under the stone beneath the mailbox. Ok, la clé est en dessous de la pierre, à côté de la boîte aux lettres. Ouh, un corbeau. Ah bah, oh le salopard! Eh bah, mon vieux, regarde-le, celui-là. Putain, bouge pas, toi. Maître corbeau sur sa poutre perchée. Prenez dans sa gueule... un rocher dans la gueule, mon vieux! Oh putain, attends, la clé elle a volé. C'est délire. Elle est carrément là, la clé, mon vieux. Vas-y, donne-moi. Donne-moi ça. Vas-y, je sais pas, moi. Fais quelque chose, prends-la, vas-y. Bon, alors je vous explique. Il y aura bien entendu des coupures, hein. Mais là, à l'heure actuelle, ça fait à peu près 10 fois que je redémarre le jeu. Et que je tabasse ce putain de corbeau. Mais, à chaque fois que je le tabasse, il veut pas ramasser la clé. Regardez, elle tombe à chaque fois. Mais il veut pas la ramasser. Tu vois ce que je veux dire? Tout à l'heure, je l'ai même tabassé le corbeau, la clé, elle est restée perchée sur le truc, je vous jure. C'était un truc de malade. Et non, bah non, non, il en veut pas. Ah bah. Ah bah ça y est, il en veut. Bah écoute, faut pas se poser de questions. Allez, c'est parti, let's go. Intéressant. Ouh, il se tapote un peu les mains. Qu'est-ce qu'on va aller trouver? Alors, qu'est-ce qu'il y a donc dans le coffre? Ah, un pied de biche, intéressant. Bon, bah écoutez, j'ai l'air d'être bugué. Je sais pas ce qu'il a mon bonhomme. Il est complètement bugué franchement. Il y a un truc qui va pas là. Je peux plus ramasser le pied de biche, je peux plus rien faire mon vieux. Ça y est, ça recommence. Merde, allez là, ramasse-le le pied de biche, bon sang. Non? Bon écoutez, pour la énième fois que je recommence, marre de me retaper la scène du début et tout. De toute façon on la connaît, hein, il va déménager, le voisin, les jumelles. Allez vas-y, action mon vieux, fais péter. Hein? Ça va, ben 5 minutes les conneries là. Alors. Ah bah voilà, impeccable, bah c'est bon, j'ai déménagé, tiens regarde donc. J'ai même repeint la maison alors. Et bah voilà mon vieux, c'était là que j'habitais avant. Oh putain, ça a changé chez moi. Oh comment que ça a changé? J'ai un téléphone et tout, je vais pouvoir appeler le voisin et tout. Excellent quoi. Attendez, j'ai même un étage dans ma baraque. Par contre j'ai cru entendre C'est quoi ça? Ah c'est fermé. J'ai cru entendre la tondeuse à gazon. Serait-ce le retour de la tondeuse à gazon hantée? Je doute, je doute. Ouh, bah dis donc, il y a des belles chambres, hein. Une belle salle de bain et tout, des belles petites toilettes. Et bah franchement, c'est impeccable tout ça. Eh, la baraque du voisin, elle a changé. Il manque des étages, là. Non? Je vais aller dire bonjour un petit peu à mes voisins. Il y a carrément un canapé dans mon jardin et tout. Laisse tomber, quoi. Ouais, bien écoutez, on va aller faire un petit coucou à notre voisin. On va y apporter des petits gâteaux et tout, quoi. Bonsoir, bonsoir. Oh, c'était quoi ça? Ah non, c'est rien. Ça a changé chez notre voisin. Putain, il y a carrément... Oh putain, il y a carrément la musique qui se met en route. Ouais, il y a carrément une cabane de jardin et tout. Un groupe électrogène, quoi. Oh! Oh! Putain, il est déjà là! Allez, il court vite!
Là, il court vite. Alors, je sais que la dernière fois, vous m'avez laissé plein de commentaires sous la dernière vidéo d'Hello Nightboard pour me dire comment finir le jeu et tout. Mais ça a quand même l'air d'avoir changé, ici. Vous voyez? Disons qu'il a un peu déménagé tous les meubles. Avant, Oh, excellent. Avant, il n'y avait pas tout ça, là. Attendez, on va se baisser. Il n'y avait pas tout ça avant. Merde. Téléphone, je vais laisser. Vas-y, je vais aller là-dedans. Oh, regardez, il y a carrément une chaudière et tout. Putain, c'est bien fait, ça a été... Tais-toi. Ça a été super bien fait, franchement. Il y a des petites chaussures et tout. Laisse tomber, quoi. Comment qu'ils ont fait ça? Super bien. Est-ce qu'on peut ouvrir? Bah non, non, on peut pas. Mon jeu est bugué. D'accord. Mais pourquoi je peux rien ramasser, moi? Pourquoi c'est bugué, là? Putain, c'est quoi ce délire? Bah écoutez, va falloir que j'en parle. Va falloir que j'en parle au développeur! Ah! Putain! Bah non, mais regardez! D'habitude, vous savez bien qu'on peut ramasser des trucs. La tondeuse hantée, mon vieux! Je vous avais dit qu'elle était de retour. Bah tais-toi, mon vieux! Vas-y, arrête là! Regardez ça, allez! Je peux même plus l'arrêter, mon vieux. Elle est possédée. Ah, si. Ah, c'est eux. Bah, putain, bah, maintenant, ça marche. Je comprends rien, franchement. Je vous dis, il est bégué, le jeu. Quoi? Prends ça dans la gueule! Je rentre chez moi, je rentre chez moi, je rentre chez moi. Par contre, il court vachement vite, hein. Il va pas rentrer. Regardez. Regardez ça, il fait des étirements. Attendez, je vais l'observer par ici. Il fait du sport et tout. Laisse tomber. Je vais le laisser rentrer. Et, écoutez, bah, je sais pas. Des fois, ça a l'air de bugger. Des fois, ça marche. J'en sais rien, je crois bien que mon jeu il est capricieux. Je vais prendre ça, est-ce que ça veut bien le ramasser? Ouais. Tiens, prends ça dans la gueule. Est-ce qu'on va pouvoir passer ici? Ah, ça se trouve, on va pouvoir monter. À mon avis, il faut que je trouve un outil. Ah! Il est réveillé. Putain, on peut regarder à travers les portes quand on reste appuyé sur E. C'est cool ça. On peut regarder à travers les portes. Qu'est-ce qu'il y a? Putain, il était derrière! Oh, le salopard! Merde! Là, j'y vais en mode ninja. Oh, il y a une boîte à outils et tout derrière. Ah ouais! Merde, c'est fermé. Putain, mais des fois ça bug, mon vieux. Attends. Ça a marché! Ça a marché! Ah, ça a marché! On peut y jeter des télés dans la gueule, mon vieux! Je vais tout y jeter dans la gueule si je le croise. Tiens! Bah arrête, toi! J'y ai balancé des trucs dans la gueule! Putain, genre ça marche pas! Y'a rien là-dedans. Donne-moi ça, mon vieux. Oh, c'est des somnifères! Ah ouais, à mon avis, putain, faut... Je vais attendre qu'il se fasse un thé ou un café, tu vois. Et je vais y verser, je vais y verser dans son verre. C'est obligé. C'est bon, ça a marché. Ça a marché. Regardez. Attends, maintenant, on va attendre qu'il vienne dans la cuisine. Ça a marché. Ah yes, putain, excellent. Ah non, ça a pas marché. Putain, non, j'ai halluciné, ça a pas marché. Merde, putain, je me fais peur tout seul. Tais-toi. Comment que ça marche, ça? Oh, c'est mort. C'est mort, je sais pas comment ça marche. J'en sais rien. Vas-y, ouais, c'est ça, rentre chez toi, ouais. Vas-y. Rentre chez toi, ouais, t'as raison, ouais. Tiens, rentre chez toi, mon vieux. Vas-y, là. Alors. Écoutez, j'y vais à fond. J'y vais à fond, j'y vais à fond, j'y vais à fond. J'y vais à fond. Il a rien vu, merde, c'est fermé, c'est fermé. C'est fermé. Je vais essayer d'allumer ça. Groupe électrogène. Voilà. L'antenne de télévision, là-haut. Qu'est-ce que ça fait? Ah, regardez. Non? Attends.
Qu'est-ce que ça fait le groupe électrogène? Faudrait que je suive un petit peu le tuyau là. Ça va, attends. Ça va par là. Ok. Je vais regarder s'il est pas derrière. Non, c'est bon. Vas-y. Faudrait que je suive le tuyau. Ensuite, ça va par là. Y'a quoi là-dedans? Ah putain, faudrait que je trouve un moyen de rentrer là-dedans. Bon écoutez, je vais essayer d'y aller comme ça. Vas-y, je vais prendre le téléphone. J'appelle? J'appelle quelqu'un? J'étais en train d'appeler avec le téléphone. Bon écoutez les gens, franchement ça fait je sais pas combien de fois que je recommence. C'est un truc de malade. En tout cas, si vous avez des petites astuces à me mettre dans les commentaires pour m'aiguiller un petit peu, pas me dire la fin du jeu, comment que ça se finit et tout hein. Mais si vous avez des trucs pour m'aiguiller ou quoi, quelque chose que j'aurais loupé, que j'aurais pas fait, eh bien n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est fait pour ça. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, pourquoi pas la partager, ça me ferait plaisir. Et en tout cas, il y a beaucoup de nouveautés hein. Franchement, c'est bien cool. Ouais, ouais, j'aime bien, moi. Ah, regardez, attendez, je peux y faire un canular. Je peux l'appeler? Regardez. Attendez. Ça sonne chez lui? Tu crois? Attends. J'ai envie d'essayer. Est-ce que ça sonne? Ça sonne? T'as un coup de téléphone, mon vieux? Ah oui, ça sonne chez lui! Ah bah, je ferai ça la prochaine fois, tu vois. Je prendrai mon fixe et je me cacherai dans un placard et j'irai l'appeler. Comme ça, on rigolera bien. Bon, en tout cas, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et ciao tout le monde, bye!